Hey! Ah, salut les gars! Salut! blabla du mois de... Je sais même plus quel mois on est. Ça. Unboxing du Arma Kryton 8S EXB. Quoi? Ouais, c'est vrai, elle est un peu petite la boîte. Hein. Je crois. C'est un peu limite. T'as pas tort. Ça me semble vraiment bizarre ce truc-là. Bon! Oufti! Ah oui, là c'est bon. La vache! Ouais! Je vais peut-être exagérer un peu là. Non? Pas trop de pression? Non. Salut, c'est moi, Mani. Hey, salut, c'est moi, monsieur. Hey, qu'est-ce qu'on fait? On va rouler? Oui, on va rouler. Ah, tu marches, on va rouler. Certains qui me connaissent savent que je me suis retenu de faire autre chose. Il y a une très très grosse tige. Ça sert à rien. Je veux dire, si la tige est grosse mais qu'elle est molle, ça sert à rien par rapport à une petite dure. La noisette laser de chez Lozy. J'ai commencé la chaîne avec une petite caméra chinoise à 30 balles, les images, ça volait pas haut, le son encore moins. Et le blond, de toute façon, lui, il a jamais volé haut. C'est pour passer sous les radars, tu comprends pas? Faut juste faire attention au bas des portes. Ils m'ont filé, calme. Écoute ma voix, suis la lumière. Écoute la montagne de flamboyance. Like la vidéo. Subscribe. Subscribe toute ta famille. Fais liker toute ta famille. Laisse tourner les vidéos sur tous les membres de ta famille. Et envoie des dons sur Tipeee. rcgarage68tipeee.fr. Envoie du PayPal. Fais péter les pépettes. Je veux savoir comment vous mangez vos réglisses, les mecs. Vous croquez dedans dans le rouleau, ou vous déroulez tout, et ensuite vous prenez le bout, puis... Tu remontes ton rouleau de réglisse. Moi, je remonte le rouleau de réglisse. Et d'ailleurs, ça tombe bien puisque je suis arrivé au bout du rouleau. Oh, c'est beau! C'est prête, prête! Ah, c'est trop chouette! Prête, prête! Je m'éclate! Prête, prête! Et les couleurs sont superbes! Et ça sent bon! Ils m'ont filé. J'ai envie de le déballer, de faire pouet-pouet avec les... et de caresser la carrosserie, de presser ses suspensions moelleuses. Pas mettre le décapeur thermique trop chaud, hein. Sinon il va fondre comme le mal. Bon, c'est les vacances, hein, mais on dirait qu'on est tournés depuis longtemps. Le petit moins, c'est celui-là. Là, t'accroches ta sangle. Moi, je préfère quand la sangle est là, comme ça, quand tu lâches la radio, elle est là. Parce que quand t'accroches ta sangle ici, tu te défonces les touilles. Oui, 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 les touilles. C'est un détail, mais tu peux avoir des effets secondaires catastrophiques. Hein. Hey, y a quelqu'un là-dedans? Allô? Ils m'ont filé, calme. Eh ben, fais-le, sinon, tu le fais pas. Mais en fait, c'est pas le low voltage. C'est quand tu fais rien que la radio te sort un petit air. Idiot, tu m'as oublié. Idiot, tu m'as oublié. Idiot, tu m'as oublié. Donc ici, un radis, qui est donc un engin compact et rouge, et qui roule très bien. Super roue libre. Fait des sauts d'enfer et ne casse jamais. Quand t'as assez joué avec, tu peux le manger. Ouais, je... Tu m'as oublié. Tu m'as oublié. Tu m'as oublié. Je peux faire ça toute la journée. Ouais, je regarde à droite, à gauche, parce qu'il y a le pire des prédateurs qui rôde dans l'atelier. La mouche. On dit toujours le requin est un prédateur hors pair, mais en fait, non, c'est la mouche. Parce que la maison est fermée, il pleut. Je suis au fond de mon atelier, il y a une mouche qui a réussi à rentrer et me trouver à la cave, et qui va, au moment, un moment ou un autre, dans la vidéo, venir se coller en plein sur ma gueule. Ça, c'est certain. Attention. Ils m'ont filé, calme. Mince, je fais la buée.